Revenons chez nous maintenant. Tout le monde parlait d'une soirée d'Halloween mémorable hier avec cette belle température qu'on a eue. Malheureusement, certains vont s'en souvenir pour les mauvaises raisons. Adi, plusieurs corps policiers ont émis des avis pour des aiguilles qui ont été trouvées dans des friandises. Exactement, Julie. Et tout ça n'a rien de rassurant pour les parents ce soir qui nous écoutent. Il y a au moins 4 corps policiers, donc c'est le cas à Québec, à Lévis, aussi à Longueuil, qui nous confirment qu'il y a au moins un cas qui a été recensé sur leur territoire. Si ce n'est pas une épingle, bien, c'est une aiguille qu'on a découvert dans un bonbon, dans une friandise. Et voilà que ce soir, Julie, on apprend qu'à Montréal, il y a aussi un cas qui a été recensé dans l'est de Montréal, dans le quartier Anjou. C'est une mère qu'on a rencontrée aujourd'hui, qui a d'ailleurs partagé son histoire sur Facebook, qui, elle, hier soir, se trouvait dans le secteur d'Anjou avec ses 2 filles. Et elle a, comme tous les parents, fait la tournée des maisons. Et ce matin, elle a fait cette découverte, donc une aiguille dans un petit morceau de chocolat. Elle a été consternée par cette découverte. Vous allez l'entendre, Julie, parce qu'on l'a rencontrée aujourd'hui, cette mère, Raven Brown, avec ses 2 filles. Et tout de suite après, vous entendrez des réactions de citoyens qu'on a rencontrées. Et j'ouvre les bonbons pour être sûr. Je regarde s'il n'y a pas de trou, s'il y a de l'air, puis j'écasse pour être sûr. Puis ben, je split ça à mes filles. J'étais vraiment sur le choc. Elle était même un peu ressortie. La personne n'avait peut-être pas pensé à le pousser loin. Fait que j'étais vraiment en choc. J'étais, mais voyons donc. Je me suis mis à sacrer, je veux pas, là. Puis après ça, j'étais comme en pleurs, j'étais comme dans toutes mes émotions. Bon, on les vérifie toujours. C'est sûr qu'on porte une attention encore plus particulière quand on entend des choses comme ça. Est-ce que vous vérifiez chaque bonbon? Effectivement, oui. Mais oui, c'est sûr. Moi, je trouve que ça gâche l'Halloween. Comme avant, le monde était moins fou, mais maintenant, ils sont plus fous, ouais. Je trouve. Et Julie, Mme Brown, qui me disait, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à commettre un tel geste. Oui. Sachez donc en terminant que les corps policiers demandent aux parents de redoubler de vigilance, évidemment, et de vérifier chacun de ces bonbons. La bonne nouvelle, et je termine là-dessus, Julie, c'est qu'aucun des enfants n'a été blessé. Tout ça, bien sûr, grâce à la vigilance de leurs parents. Voilà, Julie. Ouf, quand même. Merci, Adi. Oui, j'en prie.